tous. Bonjour à toutes. Bonjour Mel. Bonjour Sam. Bienvenue sur notre chaîne Au Naturel. En partenariat avec le blog de Tal. Donc consacré aujourd'hui aux crèmes de jour, femmes et hommes. D'accord. Alors avant toute chose, avant d'appliquer sa crème, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'appliquer sa crème, important, il faut bien nettoyer sa peau. D'accord. Donc grâce à la mousse nettoyante qui contient 50% d'aloe vera. On vous en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Très bien. Donc savons donc tous que notre peau est majoritairement constituée d'eau à 80%, je crois. Mais est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi il est si important d'hydrater sa peau chaque matin? Eh bien, une crème hydratante permet de retenir l'eau dans la couche supérieure de la peau, qu'on appelle l'épiderme. Mmh. Donc, elle est importante aussi pour protéger contre la pollution et le vieillissement prématuré. D'accord. Et enfin, constitue un rempart contre les agressions extérieures. En bref, la crème de jour évite à notre peau de devenir au cours de la journée sèche, tiraillée et rugueuse. Peux-tu nous dire celle que tu utilises? Est-ce que tu peux nous montrer celle que tu utilises à l'aloe vera? Donc, qui est donc 50% d'aloe vera. D'accord. Donc, petit rappel, l'aloe ouais, est une plante qui provient d'Amérique du Sud. D'accord. Et qui a des bienfaits importants d'hydratation. D'accord. Donc, quand on l'applique, elle, tout au long de la journée, elle est très hydratante et la peau, importante, garde son éclat. Ah, il paraît que des études ont montré aussi que l'aloe vera a une fonction positive sur la fonction barrière de la couche cornée. En clair, l'eau reste piégée dans l'épiderme et ne peut plus s'évaporer. La peau est donc mieux hydratée encore plus longtemps, n'est-ce pas, Mel? Oui, tout à fait. Et faut, de plus, une petite particularité, les sucres. Elles sont capables de retenir l'eau, ah les oui, qui sont dans l'aloe vera. Ouais. Hein, voilà. Alors, montre-nous donc, à quoi ça ressemble. Elle est assez... simple d'application, ouais, parce que d'accord. déjà, il y a un applicateur intégré. D'accord. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, elle ouais. est déjà épaisse. D'accord. Ça dure combien de temps, un pot comme ça, le par pot exemple? Comme ça, en mettant tous les jours, en appliquant, ouais. on va dire 6 mois. 6 mois environ, d'accord. Et je l'applique 5 à 10 minutes avant mon maquillage. Très bien. Et il y a aussi important, on peut l'appliquer autour des yeux. Ah, très bien, bon, c'est super. En plus de nos cosmétiques habituels. Voilà. Donc en gros, tu dirais qu'elle laisse la peau douce, elle est rafraîchissante et surtout, elle donne un super éclat. Tout à fait, à voilà, peau, c'est bien résumé. Hein. Super, très bien. Alors il paraît donc, qu'il existe aussi la crème oui. de jour pour hommes. Est-ce voilà. que tu peux nous montrer à quoi elle ressemble? Donc intitulée anti-stress crème. D'accord. Donc for men, donc spécial homme. Donc elle est très simple aussi d'utilisation, hein, comme d'accord. crème de jour pour femmes. Donc je vais d'accord. vous la montrer. Alors d'accord. elle est un peu moins épaisse. D'accord. Voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'on pense les hommes qui l'utilisent? Alors, voilà, donc on a interviewé un petit peu les hommes oui. autour de nous qui l'utilisaient. D'accord. Et qui sont ravis. D'accord. Hein, ils sont fans même, ils ne peuvent plus s'en passer. Ouais. Notamment, ce qui est étonnant, ce sont des hommes ouais. qui n'utilisaient pas forcément de crème avant. D'accord, ouais. Donc, ils peuvent l'utiliser donc, pareil que la crème de jour femme. Hein. Ouais. Le matin, en application le matin, elle est, sent vraiment... une petite noisette hein, sur tout le corps, sur tout le visage. Elle hydrate bien toute la journée, surtout celle-là. Hein. Voilà, donc ça s'hydrate bien ouais. toute la journée, même pour la nuit. Même l'autre, hein, ouais. D'accord. La elle est moins épaisse que l'autre crème. Hein. Voilà, oui, oui. Donc facile d'appliquer. Elle est moins épaisse que l'autre crème. Elle d'accord. a tout aussi de vertus hein, au niveau hydratation. Voilà. D'accord. La texture aussi est agréable. D'accord. Et c'est des crèmes sans... Oui, alors, pardon. Sans parabènes, hein, je crois. Hein. Voilà, donc toutes ces crèmes utilisées sont sans parabènes ni huile minérale. D'accord, très bien. Alors, en conclusion, grâce à ces crèmes hydratantes, notre peau retrouve sa souplesse, sa douceur, et son élasticité et tout son éclat toute la journée. Voilà. N'est-ce pas, Amel? Oui, tout à fait. Alors, on c'est va regarder un petit peu à c'est quoi ça ressemble. C'est bien résumé. Très bien. Voilà. Et notre peau vieillit moins vite. Alors, la semaine prochaine ou la prochaine vidéo, ça sera sur... consacré aux crèmes de nuit. Très bien. Voilà. Et je crois qu'il y a un petit cadeau réservé la oui. prochaine fois à nos abonnés. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne naturelle. Laissez des commentaires, voilà. Et pour donc pour finir, c'est une petite touche philosophique. Ouais. Donc la nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et l'esprit et émerveille l'âme, le cœur et l'esprit. Bye bye. À bientôt, à bientôt. Très vite.